Re, 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 ah ouais. Enfin bref. Pour ceux qui l'ont pas reconnu, c'était Star Wars. Et pour ceux qui l'ont reconnu, c'est parce que je chante très très bien. Mais bon, je vais pas vous faire un cours de Star Wars, mais un cours de Start Windows 10. Oui, c'est bien joué, c'est bien joué. Je sais. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, à mon avis, tout le monde le sait, Windows 10 est sorti le mois dernier, le 29 du mois dernier. Et du coup, ils ont fait des déploiements de mise à jour, mais on l'a pas tous reçu. Donc, ce tuto est pour ceux qui n'en peuvent plus, qui veulent Windows 10 tout de suite. Je veux tout et tout de suite, je veux tout et tout de suite. Mais bon, avant tout, vous pouvez réserver votre mise à jour. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a cette petite icône qui est juste ici. Vous appuyez dessus. Il y a la fenêtre Windows qui s'ouvre. Et ici, faut renseigner son adresse mail. Et après, faut appuyer sur continuer. Et c'est tout. Et dès que la mise à jour est valide pour vous, bah vous recevez un mail de la part de Microsoft. Voilà. Mais sinon, alors dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire pour avoir Windows 10. Il y a deux façons de faire pour avoir Windows 10 tout de suite. Et je vais vous montrer les deux. On va commencer par la plus simple. C'est d'aller sur Windows, sur le site de Windows. On tape Windows 10 ISO. Alors sur ce site, en fait, il y a l'ISO de Windows 10 qu'on va pouvoir télécharger. Après, faire une clé bootable ou l'utiliser directement, parce qu'on peut l'utiliser directement. Télécharger la 32 ou la 64. Donc on va le télécharger. C'est un petit outil en fait qui va vous permettre de télécharger l'ISO. Par contre, pour cette façon de faire, il faut absolument avoir la clé. Vous avez trois clés chez Windows. La clé qui est sur la carte mère, qui est inscrite dans la carte mère, donc vous n'avez rien à faire. Sinon, la clé est sur un autocollant sur le PC, ou vous l'avez acheté par mail et vous avez reçu. Non, ou vous l'avez acheté sur Internet et vous avez reçu la clé par mail. Voilà. Voilà, donc on clique dessus. Donc il est là. Donc voilà. Quand cette fenêtre apparaît, vous avez deux choix. Créer un support d'installation pour un autre PC. Donc c'est pas ce qu'on veut faire ici. Ou mettre à niveau ce PC. Donc c'est comme ça qu'on peut mettre à jour Windows 10. Donc ça va prendre un peu de temps. On fait suivant, ça va prendre pas mal de temps. Et après ça, vous aurez Windows 10. Après, ça télécharge et ça le lance. Et la deuxième manière d'avoir Windows 10, alors tout d'abord, il faut aller dans un dossier pour voir s'il est plein ou pas. Donc on va aller dans ce dossier. Et là, je vous donne le chemin. Le chemin, c'est donc c'est c deux points slash. Voilà, c'est celui-là. Donc vous avez ce dossier source. Si ce dossier source dépasse les 1 giga, c'est que vous allez bientôt recevoir Windows 10. Si ce dossier ne dépasse pas les 1 giga,
c'est que vous n'allez pas recevoir Windows 10. Donc si vous n'allez pas recevoir Windows 10 tout de suite, vous avez la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, je vais vous la montrer, c'est pas très dur. Vous allez dans ce dossier, donc c'est /Windows Software Distribution Download. Et ici, vous supprimez tout ce qu'il y a. Donc on fait un CTRL ALL et on supprime. Continuez. Et là, ça va prendre un peu de temps. Ah non, pas du tout. Donc, ce qu'il faut faire après ça, c'est qu'on ouvre le CMD. Recherche. S'il veut bien faire recherche, on tape CMD. On fait un clic droit sur le CMD. Exécuter comme un admin. Donc on fait. Et ici, on va taper la commande suivante. /updatenow. Et on fait entrer. Et là, normalement, ça se met à télécharger Windows 10. Pour voir que ça se met à télécharger Windows 10, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ici. Alors, un clic droit ici. Système. Ou pas une configuration, comme vous voulez. Dans panneau de configuration, vous allez dans système et sécurité. Dans système et sécurité, vous allez dans Windows Update. Et là, vous voyez qu'il télécharge Windows 10. Donc, après avoir terminé de télécharger Windows 10, il va lancer l'installation de Windows 10. Et c'est tout pour ce tuto. Après ça, vous allez avoir Windows 10. Je pourrais pas filmer pendant l'installation, donc je reviens après Windows 10. À tout à l'heure. Et voilà, de retour sur Windows 10. Le fameux Windows 10 avec son menu démarrer qui nous a manqué, enfin qui vous a manqué surtout. Parce que moi, je m'en servais pas du tout. Voilà, ça ressemble à ça. Bon bah c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il va vous aider. J'espère que vous avez... Voilà. Et puis, il y a quoi d'autre? Bah, c'est tout je crois. Voilà, bah c'est tout pour ce tuto. Hein. Donc, à plus, à plus. Oh, un titi les boules du tout sauvage apparaît. Cliquez ici pour vous abonner.